parole à palais.com. Donc, bonjour à chacun de vous, mesdames, messieurs. Bienvenue dans cette édition de la rubrique Invité du jour ce matin. Et comme annoncé, gros plan sur le budget de la République 17-19. L'expert comptable spécialiste en gestion financière, John Earl Itzer Le Gros, qui est notre invité ce matin. En général, il fait des interventions assez enrichissantes justement sur des questions d'ordre économique et financier, justement. On a fait appel à lui ce matin pour essayer d'avoir un peu de lumière sur ce qu'il comprend de la loi de finances 2017-2018. Merci à notre invité de s'être mis disponible pour nous ce matin. Merci à vous d'être fidèle à l'écoute de cette rubrique. Valérie Numa à l'antenne. Bonne écoute à toutes et à tous. Ok, John Edzer Le Gros, bonjour, bienvenue sur Vision 2000. Valérie, moi je salue vous, je salue tout auditeur et Vision 2000. Et comme dit que je fais un peu d'effort, je suis arrivé dans le studio. Mais bon, comme je dis, là, son jour de reprise d'activité. Et en bout de la fin de bague est arrivé à l'heure. Mais j'espère que l'auditeur apprend plaisir au téléphone, même j'en étais au studio, pour nous capables d'éclaircir sur des points et d'actualité. Mm-hmm. Tout d'abord, on regarde le budget et lui-même, quoi que son dossier qui intéressait. Est-ce que, contrairement avec une quantité de monde qui a parlé, qui a baillé toute qualité d'opinion sur le budget, est-ce que ou même ou lit le budget? Évidemment, moi, lit le budget, parce que, comme tout, depuis un comptable, mon expert comptable et à professionnel maintenant, et loi de financement, c'est un document qui est très important pour lui, surtout bon mauvaise pratique qui a fait dans le niveau responsable finance pays pour modifier loi fiscale dans la loi de finance. Donc, comme expert comptable, supposez toujours mettre à jour. Donc, dès que le projet budget a mis en circulation, obligé de prendre pour qu'il y ait une modification qui a fait dans la loi fiscale, afin que vous compreniez bien pour bien élaborer le document. Donc, nous lire toutes les conséquences tout, qui a gagné sur le plan économique. L'ordre décortiqué et loi de finances, avant même que le dérivé et au niveau du Parlement pour le défaire débat, et où tu as gagné des appréhensions qui sortaient et fait comme évaluation du document. Et j'ai analysé plusieurs budgets avec documents que BRH mettait en circulation concernant les recettes et les dépenses qui faites au niveau de l'État. Nous constatons que le budget a toujours gagné une grande disparité entre dépenses de fonctionnement et dépenses d'investissement. Donc c'est une plus grosse faiblesse que nous avons dit que le budget a toujours gagné. Et par exemple, si nous considérons sur l'espace de 5 ans, nous remarquons que tout budget, sauf en 2013, côté que nous avons remarqué une grande proportion de et dépenses d'investissement. Donc, je peux ouvrir le fichier à la rapidement pour avoir nos valeurs exactes. Mais normalement, ça qui est plus important dans la remarque que nous faire, c'est le fait que ou pas avoir une volonté, ou pas avoir une vision pour réduire les dépenses de fonctionnement par rapport aux dépenses d'investissement. Et tout autant que pas gagner dépenses d'investissement, pas qu'à gagner création de richesse. Donc, c'est surtout ça que nous faisons comme remarque particulière. Et en plus, gagner, par exemple, augmentation de recettes qui fait par rapport à budget, ça a tout. L'aime considérer recettes qui étaient gagnées l'année dernière, en 2016, qui étaient environ de 66 milliards, et nous voyons que le gouvernement prévoit une augmentation de
93 milliards de gouttes de recettes internes, de ressources domestiques. Cela représentait environ 41% par rapport à 2016. Mm-hmm. Bien entendu, si on fait sur l'espace de 2 ans, c'est comme si on a dit que on prévoit et 2017 là, on a peut-être une augmentation de 20%, et pour 2018, on a peut-être une augmentation de 20%. Mais l'aime considérer sur l'ensemble des 5 dernières années, nous avons seulement 2 augmentations, ça, c'est en 2014 et 2015. Pour le fait que, dans la période, ça, nous étions au courant que le gouvernement a pris des mesures pour augmenter les taxes, et particulièrement au niveau de patente, au niveau de la douane, côté que il y a des droits de douane qui ont augmenté, il y a des frais qui ont découlé de Bordeaux et tout, qui ont augmenté. En plus, à l'époque, nous avons une augmentation rapide de taux de change, et nous connaissons cette douane. Le fonction général du taux de change, vu que facture yo en général yo en dollars, et Bordeaux de douane le fait sous montant sifflant qui déjà estimé en dollars. Donc ça a fait une augmentation de recettes pendant la période de 2014-2015 sur l'ensemble des deux qui était dépassé 41%. Mais Jean économie est là et nous ouais on baisse du taux de change qui fait année ça. Et ensuite, économie, on pas non stick vertueux, côté que, ou t'as pas le gain, ou t'es qu'à prévoir, yon augmentation de richesse dans l'économie, côté que l'État t'as pas le gain, des impôts sur le revenu, qui t'as pas augmenté. Donc, m'estimer que, prévision de recettes, ça, yon surréaliste. Donc, on pas qu'à prévoir une augmentation de 41%, vu que t'es passer de 66 milliards pour passer au palatin 93 milliards et les dépenses en général yo fait à partir de prévision de recettes yo. Donc si on fait une prévision qui surréaliste, c'est sûr qu'on va le mettre bas là au niveau de dépenses surtout et qui conséquence ça va gagner sur économie, c'est ça aurait effet d'éviction. Effet d'éviction, c'est lorsque l'État tellement augmenter recettes pi à un niveau qui est trop élevé, alors pas recettes pi, dépenses pi à un niveau qui est trop élevé par rapport à ressources domestiques de collecter, maintenant il est obligé à aller faire des prêts internes, soit par émission de bons. Maintenant, prêts ça, c'est des fonds qui étaient doués, disponibles à des potentiels investisseurs ou bien à entreprises qui voulaient améliorer la production pour être capable de des crédits, soit pour acheter des équipements ou bien pour faire de nouvelles entreprises. Donc, fonds ça n'est pas disponible pour médailles ça, pour nouvelles investisseurs ça, pour nouveaux investisseurs ça, parce que l'État lui est inversé. Donc, ça vient créer comme conséquence une augmentation du taux d'intérêt et une réduction du crédit et qui octroie sur le marché économique. Hein. Donc, ça vient créer un trou noir qui fait que pas qu'à gagner création de richesse. Bon, regardez, soirée les aspects surréalistes. Hein. Et si on prévoit collecter des taxes et yo font anticipation par rapport justement à ça qu'on est capable passer dans pays à monde cap importer des bagages comme ça. Mais est-ce que quelque part les outils que ont été utilisés pour yo faire prévision yo, est-ce que ou même ou tenu compte de yo? Mais Valérie, si vous considérez le rapport financier qui fait pour bail par BRH, l'ensemble des recettes collectées, maintenant, nous faisons une analyse pour moi, est-ce que l'État gagne un pourcentage de recettes que l'atteint comme ça? Et l'atteint, il y a qui se constate que l'atteint. Maintenant, si on gagne des outils financiers que vous pouvez mettre en évidence pour l'atteint, mais outils financiers, ça y est, c'est particulièrement des prêts que vous pouvez toujours faire ou bien des fonds qui sont disponibles à investisseurs pour être capable de faire des investissements. C'est dans le fond, ça y est encore que vous pouvez le prendre. Maintenant, l'autre outil que vous gagnez, c'est l'augmentation de taxes qui peuvent le faire dans l'économie. Mais qui conséquence que ça va le gagner encore, c'est renforcer
et fait d'éviction, vu que comme que le voile prend sous ménage, c'est comme que vous même te doué et mettez à disposition pour vous faire des investissements. Ok? Donc, surtout, et l'autre contexte actuel dans l'économie que nous trouvons là, côté que nous pas, et non, non, si, et vertueux, côté que nous pas de création de richesse. Donc, ça a montré que, et prévision ça, yo surréaliste. Bon, en comparaison. Si nous prenons les cinq dernières années, c'est-à-dire, on prend 2011, 2012, 2013, 2014. 2011, 2012, 2013, 2014. Donc, nous considérons que, et on prend l'année 2012, là, côté que l'État a fait une augmentation de recettes, de 8,68%. Augmentation réelle, pas prévision. Pas prévision, là nous avons réel. Mm-hmm, là okay. Nous avons réel, parce que l'y passé est de 38 milliards 932 millions à 42 milliards. C'est-à-dire en 2012, il y avait une augmentation de 8,68%. En 2013, il a augmenté de 5,76%. En 2014, il a augmenté de 5,25%. Et en 2015, c'est là que nous avons gagné et flambé de taxes qui s'est dans l'économie, c'est du passé de 21%. C'est-à-dire, de 2014 à 2015, il a augmenté de 21%. Parce que, vous avez un taux de changement qui commence à augmenter rapidement en 2015. Et en 2016, tout est venu augmenter de 16%. Maintenant, si vous prenez deux années, il est presque bon et environ 37%. Maintenant, pour qui ça, de 2016 à 2000, et dans le budget ça, il prévoit une augmentation de 41%. Maintenant, 41% d'augmentation ça, comme conséquence directe, comme signification, il veut dire que il y a une pression intense qui va exercer sur les entreprises et les ménages, pour que vous augmenter les taxes, et particulièrement nous, où là, il y a augmenté des redevances, que c'est. Et c'est pas forcément des entreprises qui payent, qui subissent au devant ça, mais c'est surtout des ménages, côté qu'on prend passeport, on prend et licence. Mais tout ça, c'est des pressions qui vont l'exercer sous l'économie, particulièrement dans le phénomène que l'effet d'éviction. Donc, pour moi-même, le fait que je dise surréaliste, c'est pas en comparaison à résultat que le gouvernement toujours atteint. Sur les cinq dernières années, on dit même, on a commencé l'étude de 2009 à 2016, nous n'avons jamais atteint une augmentation de 25%. Puis, l'augmentation que nous avons atteint, c'est en 2011, que nous avons atteint une augmentation de recettes de 23%. Comme nous avons vu que de 2010 à 2011, nous connaissons une année exceptionnelle. Donc, nous n'avons pas de considérer année ça, alors font étude et sur le plan financier, vu que c'est une solidarité internationale. En pile commentaire. Donc, ou pas de considérer période ça, soit font analyse. Donc, nous n'avons jamais atteint une augmentation de recettes de 25%, alors que là, on prévoit une augmentation de 41% par rapport à recettes réelles qui sont faites actuellement là. Est-ce que recette que vous prévoyez rentrer, est-ce que le pas qu'un rapport avec nouvelle taxe ou bien augmentation de taxe que vous faites dans le budget pour exercer ça? Bien entendu, évident, parce que et lorsque vous faites analyser, vous considérez dans tout champ de taxation, qui côté vous parlez le propre, donc vous faites étude sur. Et de même, et ça fait quel que soit article modifié qui a un rapport à l'augmentation de taxes, il doit affecter automatiquement total recette qui prévoit dans le budget. Donc, c'est ça qui fait qu'il y a un pile d'inquiétude et sur le plan national par rapport au budget. Parce que le fait que une augmentation rapide qui fait sous budget, si nous prenons, si nous parlons sur le plan global, Valérie, dans le budget là, bon, montrons, nous sortons de 118 milliards et nous passons à 144 milliards. D'accord? Donc, ce qui fait une augmentation de 21% par rapport à recette, par rapport à ce qui est prévu dans le budget rectificatif 2016-2017. Ouais? Donc, on sort de 118 milliards à 144 milliards. Là, c'est en termes de budget,
Mais en réel, ça sont collectés réellement, ça PRH mettait comme données pour collecter, ou pas atteindre niveau ça. Parce que quand on est budget à ces prévisions, ou pas atteindre, ça te prévoit sous budget et l'année dernière, là, comme WICEP, c'était, et bon, bah, on va donner un article là, c'était 71 milliards. D'accord? Vous devez voir 71 milliards ou collecter 66 milliards par rapport à et à budget de par rapport à entrée réelle de 2016. Mm-hmm. Donc c'est toute analyse ça qui montre que on gagne une pression qui va l'exercer. Maintenant, vous êtes capable de faire augmentation de recettes comme ça sous des bonnes politiques d'encouragement des investissements. C'est-à-dire sous avoir bail des mesures incitatives côté que tu vas venir gagner plusieurs entreprises qui t'avoir créer dans l'économie. Vu que tu as gagné plusieurs entreprises qui t'ont créé, donc forcément, tu as gagné une augmentation de richesse qui t'a fait. Mm-hmm. Et dès qu'il y a augmentation de richesse, tu as gagné automatiquement sauf une augmentation que, de taxes. Sauf que vous-même, vous êtes capable, enfin, pas de l'autorité, vous êtes capable de dire attention, vous n'avez pas besoin de venir avec aucun autre outil pour inciter les gens à créer un business dans la mesure où vous avez un code des investissements qui a des incitatives là-dedans. C'est une faiblesse, Valérie, dans le code d'investissement. Code d'investissement n'est pas attribué à tout le monde. Et ça fait un grand article que j'ai publié et ça a eu environ deux mois, que j'ai titré le dumping fiscal ou fiscalité légère, un fer de lance de la relance économique. Si on fait et on bat une mesure incitative à toute catégorie d'entreprise, pour jouer un avantage d'investissement, ça, c'est dans des secteurs bien particuliers pour jouer des avantages et fiscaux ça qui découlait de code d'investissement. Et en plus, code d'investissement ça alors avantage ça pour moi-même, des fois l'icône allait trop à l'excès. Au lieu que tu avais gagné et bénéfice que l'État t'a tiré, des fois l'icône vient trop déficitaire, vu que y a des gens, premièrement, qui ont gagné des avantages fiscaux qui allaient jusqu'à 20 ans. Et pas gagner des balises qui dit que dès que un monde a un avantage déjà il pas qu'à bénéficier encore il faut gagner des monde qui connent jouer un avantage là et puis au gain les avantages pas fini yo al refaire une autre entreprise et ça fait me prévoir de préférence ou accorder à tout le monde à quelque soit type d'investissement qui t'a va le faire pour dans un certain temps donné ou bailler et une exonération d'impôts qui était capable exemple exonération totale de 2 ans pour toute nouvelle entreprise et puis graduellement investisseur après le payer et impôt sur le bénéficiant ou t'es capable de gagner une augmentation de 15% par rapport à la normale dans la troisième année la paye 45% et taux d'imposition sur quatrième année sont propositions c'est pas comme si c'est un bail qui t'a dû faire exagérer dit là c'est pour montrer que lorsque on bail des avantages et fiscaux à toute nouvelle entreprise, quel que soit le monde, que le pays investisseur dans la classe moyenne, que le pays un grand investisseur, dès que les cadres fiscales, les propices à l'investissement, la venue, qui disait l'opre dans la région à la Valérie, nous sommes dans un pays côté que ton imposition est plus élevé. En République dominicaine, ton imposition est à 27%. Impôt sur le bénéfice, c'est à 27%. Et Jamaïque, il est à 25%. En Équateur, il y a 22%. Et nous-mêmes, nous, à 33%. Si nous considérons la France, actuellement, là, Macron même voulait faire passer le taux d'imposition de 33% à 25%. Et je me suis dit dernièrement au débat, côté que Donald Trump voulait lui-même tout réduire dans l'impôt que les ménages à payer et des entreprises aussi. C'est pour montrer que pour nos situations économiques, côté que les pays a essayé de faire un dumping fiscal, c'est-à-dire payer beaucoup plus d'avantages fiscaux à investisseurs pour qu'ils viennent investir la carte. Nous pas voulons montrer que les n'a pas parlé de dumping fiscal. C'est un coup nous avons faire tourner un paradis fiscal et côté que niveau d'imposition est presque à zéro, même genre Bahamas. Donc c'est pas là que nous voulons montrer important ça, c'est par rapport à région qui sont offrir investisseurs pour investir la carte. Déjà, la République dominicaine, côté que taux d'imposition est plus bas et il y a des infrastructures qui sont plus appropriées à investissement,
Donc lui-même, ils font dumping par rapport à nous-mêmes, à Haïti, vu que les bails ont plus d'avantages que nous-mêmes. Donc si des gens ont une étude de ce genre, il a dit que l'État pour aller dans l'autre source pour qu'à joindre et recette ça que le fixe. Et en plus, sous ta pouvoir que gagne une nécessité pour renforcer la douane, pour réduire la contrebande, vous avez dit que c'est l'aspect ça qui a pour augmenter la recette là. Donc, tout ça, c'est toute analyse ça qui fait qui montre que la prévision de recette ça est surréaliste et qui est traduit par une pression intense sur les ménages et les entreprises. Kounia, bon regardez et qui ça est même dans le texte et dans différents articles que vous avez côté l'argent pour aller sortir. Bon, article 6, c'est loi de financement qui présentait par exemple nouvelles dispositions qui concernaient loyer domaine privé l'État. Alors, par exemple, il dit que vous avez besoin de 2000 gouttes par hectare pour terrain qui est destiné à activité industrielle et commerciale, 7500 gouttes par hectare pour terrain qui est destiné à l'agriculture, et puis 25 gouttes mètre carré pour l'autre terrain. Bon constat qui fait, c'est que à un certain moment, c'était à ville prix net que des mouns te qu'on a bénéficié ou bien joui de biens qui appartenaient à l'État, notamment on a parlé de propriété. Est-ce que le gagné une sorte de inventaire qui fait de domaine privé de l'État, est-ce que quelque part ça pas capable véritablement pour ton plus dans l'assiette là? Et ça, c'est peut-être une paramètre, mais qui proportion, c'est-à-dire que donner ça, si nous avons gagné qui est accessible pour nous, à qui proportion que nous avons représenté, nous avons considéré que ça pral effectivement constituer un poids dans la recette. Mais dans l'ensemble, Valérie, majorité de recettes, ils ont fait surtout sous des impôts et indirects, évidemment, donc parce que ils prévoient une augmentation, il y a une augmentation de 47 milliards à 65 milliards en termes de prévision sur les impôts, les impôts directs et indirects. Et alors, pour les impôts indirects et pour directs, il est passé de 21 à 23 milliards. Donc, c'est sûr que ça, si by gouvernement, l'État, des possibilités pour augmenter les recettes, c'est sûr que la entrée en ligne de compte, mais il n'est pas vraiment constitué un poids. Ça qui constitue un poids et non recette Valérie, c'est recette douanière yo, c'est recette douanière yo, et puis au niveau de la DGI ou gagne TCA ou gagne impôt sur le revenu, c'est rubrique ça yo qui va l'état beaucoup plus de rentrée et même augmentation de taxes qui fait. Et actuellement, la Valérie. Souprend, par exemple, augmentation de passeport ou bien licence, une licence qui passait à $500. Maintenant, à qui rythme que on monde a renouvelé licence lui? Est-ce que vous avez dit que c'est tout le monde qui va renouveler licence yo, dans le même moment qui va permettre que l'État pour atteindre un objectif de ce genre. Non, comme c'est au 12e calcul de fait. Attends, Fontitan et Legault. Comme c'est au 12e calcul de fait, et dans la période, dans l'intervalle 12 mois, tout le monde qui a une licence, par exemple, si c'est pour 5 ans que là, ou après, je ne sais pas qui ça chiffre là, mais on va avoir une quantité de monde justement qui va l'obliger à renouveler la licence là. Ah, mais c'est ça. Mais Valérie, ou pas jamais qu'à joindre, et par rapport à augmentation de taxes, on dit par exemple, il passait à 2500 gouttes. On dit, ou t'as gagné, par exemple, là, qu'on est, 800 000 mounes, est-ce que nous avons atteint le quota ça? Donc, oui, mais vous comprenez que ça va capitaliser. Non, pas de problème. Oui, mais sauf que, gagner en capitalisation et pas de fait et partie ça, à savoir permis. Vous comprenez ça? Parce que gagner des côtés qui augmentent, gagner des côtés qui diminuent. Par exemple, ça avec 2500 gouttes là, c'est 2000 gouttes de thé.
Ok? Et l'été 3000 gouttes? Non, l'été 1000 gouttes, l'été 1000 gouttes. Parce que le permis ACC 1000 gouttes, l'été est renouvelé. Vous l'avez renouvelé? Non, ça dépend de qui type n'a pas parlé. Mm-hmm. Ça dépend de qui type n'a pas parlé. Par exemple, vous connaissez A, gen B, gen C, gen E, et ça dépend de qui type, gen D tout. Par exemple, et sous prend type B A, il est fixé à 2500 goud, C A à 1000 goud, D A 250 goud, donc on diminution de 500 goud qui fait par rapport à ancienne disposition pour type A par exemple. Mm-hmm. Ça veut dire que pour type A qui vient 2500 goud là, OK? C'était 3000 goud gold. Son diminution qui fait sous Lily même. C'est pas augmentation. OK. Ah ben voilà, tout aspect ça yo, c'est et bon. Moi m'a décortiqué la partie de analyse des économistes fait des documents qui disponibles. Moi même juste m'a regardé parce que moun k'ap paye vann budget. Yo vann budget dans qui sens en sens que c'est augmentation seulement gain là-dedans. Mais moi même m'a dit que l'gain diminution là-dedans tout. Oui, non, alors bien entendu, il pas seulement une augmentation. C'est peut-être qu'on manque de communication de fait tout sous budget. C'est pas seulement, par exemple, si nous prenons loi sur CFPB, il n'y a pas une augmentation de tarifs, il y a une diminution, vu que et au niveau de la mairie, nous avons toujours appliqué barème 15%, parce que, par contre, si tu as parlé de ça, si mettre intervenu sous lui. Moi, d'avance. Ok. Par exemple, si nous prenons CFPB, là, il est passé de taux maximal là, il était 15%, parce que gagne un barème de qui constituait de 14 taux environ qui était appliqué sur loi 5 avril 1969 pour 71, pas vraiment songer date là, mais c'est dans la période ça, 69 et soit sur CFPB, il était gagné on grille, mais grille ça, imagine au début 69 on l'a fait, c'est sûr que ou pas gen kay qui loue dans un niveau ça, et ça fait la mérite toujours et atteindre et t'es toujours arrivé dans 15%. Maintenant bon baisse de 15 à 6%, mais qui pas résoudre problème non, évidemment, parce que qui ça quand causer problème yo Valérie lorsqu'il a déterminé base d'imposition et sur contribution foncière des propriétés bâties, c'est sur le calcul de la valeur et locative. Mm-hmm. Il est vrai que dans le budget 2015, ans, que moi-même, j'ai vraiment apprécié l'article ça, et c'est parce que c'était bon d'après moi qui fait la mairie, en général, la mairie pas appliqué, et que m'estimer que moi, m'a dit ça très très fort, que son lâcheté, le gouvernement obligé retourner encore sous l'article ça que j'ai modifié. Parce que c'est même équipe ça qui a modifié la loi sur ce février 2015, ans, qui vient remodifier encore dans le budget, ça. Et ça, Kevin, crée confusion. Vu qu'en 2015, il était passé de valeur locative à valeur marchande. Mm-hmm. Parce que dans la loi initiale, CFPBA, c'était valeur locative. Dès qu'en 2015, il était fait passer de valeur locative à valeur marchande, mais il mettait tout à un taux qui est inférieur à 1%. Il était gagné 0,12, il était gagné 0,15, 0,20, ou 0,20 qui était maximal. Là, ça veut dire si on était évalué en caille, à, par exemple, 20 millions de gouttes, vous êtes capable de payer environ 0,20% et le budget 2015 va devant. Mais c'est un barème comme ça, et qui était plus bon, sauf ça que vous avez fait, bien évidemment, vous avez doué une instance qui a évalué maison par région. Et ça fait un dumping fiscal que vous proposez. Hein. Moi, je dis que normalement, vous avez supposé changer et base d'imposition de valeur locative à valeur de construction, parce que qui avantage ça d'avoir le gain lorsqu'il passait de valeur locative à valeur de construction? C'est-à-dire que la base d'imposition du tabouale unique pour tous, c'est-à-dire quel que soit caille qu'on gagne, c'est même comme là, qu'on dit, ça dit, si je fais un caille et Delma, m'a fait et en ville, à quelques différences près ou pas pour une grande différence sur le prix de la construction. C'est-à-dire que soit fixé prix de fixer par mètre carré. C'est-à-dire si ma construction est là au caille, vu que matériaux, depuis matériaux disponibles, même j'ai disponible pour au prince, c'est le même coût
que l'IPRAL est fait, que tout à fait qu'elle a au cas, ou bien fait, et pas au prince. C'est ça que nous sommes capables, peut-être, de différence par rapport à la zone, non, si vous considérez les transports, nous sommes capables de légère différence sur le prix du mètre carré de type de bâtiment, que vous êtes capable de dire, c'est UCLPB qui a la poule, ben, prix ça. Maintenant, base d'imposition, c'est si on a un monde qui a 200 mètres carrés, il y a les sous-gris de instance ça, instance qui est réglementée pour faire ça, fixer prix de construction. Hein? Et puis, bon, mon cas qui 200 mètres carrés, valeur coût de construction qui est à date, prix vaut temps, et puis barème qui a été utilisé dans le budget 2015, il a appliqué. Le compte qui est avant de savoir, il y a valé. C'est sûr que, il y a une commune de Delma, pas bien remé, il y a une loi comme ça. Parce que, quand il y a le pichet dans Delma, le pichet, non, Pétionville. Mais il y a une commune qui pas vraiment. Et on l'autre commune en province, n'importe commune, on va les citer pour ne pas faire jalousie, on l'autre commune en province, qui gagne droit à un gros caille, mais il pas loué, même Jean l'a loué à Delma, par contre c'est même coût de construction. Donc c'est-à-dire que mairie qui est en province a même avantage à mairie dans zone métropolitaine nan, qui gagne une valeur locative qui est plus chère, et ça fait Delma, toujours Delma son commune qui est plus riche. Pétionville a vu une commune qui est plus riche parce que Caillou loué plus dans la zone. Mais est-ce que ce n'est pas sous base valeur locative là et que vous calculez li? Oui, actuellement là, vous calculez sous valeur locative. Mais vous avez le fait de vous avez changé base d'imposition hein, sous valeur de construction, type de bâtiment. Ça va le fait que vous avez un gris qui est fixé là. Quel que soit le monde qui est donc là, il a que. La payer que qu'elle a été commerçant, que t'es et cavaillon, c'est même base d'imposition que la gagne, ou pas avoir vinn gagne en disparité et au terme de recettes au niveau de mairie. Ça va le faire que et en plus jour avant de savoir gagne valait qui sont remarqués en Haïti, majorité caillot yo pas fini pour qui ça, parce que on dit que depuis qu'elle a fini la mairie a chargé au plus. Tandis qu'elle a fini, on peut le plus. Maintenant, étant donné que base d'imposition pour changer de valeur locative à valeur de construction, quelqu'un a 4 murs qui montent, ils vont surface. Ouais? Donc, c'est sous surface-là que on va déterminer base d'imposition. Pour y aller, tout le monde va avoir un encouragement pour finir caillot, pour peinturer caillot, parce que vous connaissez ça, ça va avoir affecté un point. Donc, pour vous dire que dans le budget, ça a tout, ils font une légère baisse. Mais qui pas va résoudre le problème, non, vu que toujours un conflit entre la mairie et propriétaire, sous qui valeur qu'elle a. Parce que la mairie a toujours fixé la valeur locative de par eux-mêmes. Et vous connaissez la valeur locative qui est déterminée en fonction des conditions économiques de marché. Donc, on doit louer un caille non plus à telle zone, ni louer dans l'autre, dans l'autre zone. Donc, il pas vraiment résoudre le problème, non. Et ça crée confusion dans le budget à tout. C'est parce que dans 2015, il était passé de valeur locative à valeur marchande. Et on repasse encore dans le budget ça de valeur marchande à valeur locative sans qu'il n'y ait pas de préciser dans l'article. C'est pour montrer que il y a deux côtés, il y a deux facettes qui sont bons dans le budget ça. De même, l'article 17 là, il y a deux aspects qui sont bons là-dedans parce que il y a un courage. On va arriver sur lui. Bon, faire par étape. Parce que ça crive, c'est que l'exercice n'a fait matin et. Alors, par contre, si nous recevons bien, Valérie. Nous recevons très bien. L'exercice n'a fait matin, il est plutôt didactique. Parce que, vous connaissez que les nerfs sont à fleur de peau. Et le principe là, c'est que c'est budget à bon, mais pas bon. Donc, ça veut dire que depuis où nous jouons un bagage dans le qui bon, bon, ou te gêtes dans le camp, ou te gêtes dans le catalogue. Donc, ça veut dire que ça, nous-mêmes, ça nous l'a fait là, nous voulons permettre que la population comprenne. Parce que quand même. Et même des gens qui pensent que tu as aidé, c'est ça qui explique que l'on a cherché des techniciens pour aider à comprendre nos bagailles. C'est extrêmement difficile parce que même les qui soient des techniciens, ils sont fanatiques malheureusement. Il y a propagé un tox. Il y a des bagailles qui passent ça. Ou vous demandez est-ce qu'on a fait ça, vous prenez le mettez dans le micro parce que ou qu'on est libéral d'une quantité de bagages qui passe ça. Donc là, ça, c'est enterrer Mounio davantage. C'est pour ça que nous faisons tout le moyen possible pour nous faire des mounes qui sont équilibrés, qui au moins cadine des bagages que vous lisez et que vous comprenez. Maintenant, dans l'article 8 budget 1,
Par exemple, sous article 8, c'est lié en rapport avec contravention. Contravention. Parce que contravention, ici, je fais tellement des autres, qui me dit que un débat m'a fait avec un ami, matin là, et qui me partage là avec le public, là, et débat que m'a fait avec les amis. Hein. Monsieur écrit matin, hein, ou recevoir le dialogue. Oui, oui. Autant ok. Monsieur explique que. Et li fait un signe matin hein, pour lui dire que il a remorqué machine ni et porte il t'a cherché un gros contact. OK? Et puis moi dit monsieur si il a remorqué machine c'est parce que t'es mal garé. Me rappeler monsieur que et porte là gain parking. Et monsieur dit non, il pas fait même 2 minutes, c'est juste madame la petite Lille l'a déposé en dedans, l'a tiré qui avec elle. Moi répond monsieur que m'a signalé qu'au fond contravention donc le soir pour le payer dans circulation. Monsieur dit c'est 4000 gouttes demandé et que c'est grave. Sans que m'pas même tenu compte de chiffres qui gagnent dans budget là, me dit mon cher, me pense que c'est très bon. Avec ça on conforme la prochaine fois. Monsieur pas bon contravention la prochaine fois on prenez ou pas camper devant votre là. On y a monsieur insisté sur question de 4000 gouttes là, moi dit monsieur mon cher, oui me d'accord avec lui. Le ça va conformer et a gain moins des ordres, me sûr que ça pas privé encore ou pas jamais mal garé encore devant airport là. OK. Et donc nous fait ce débat ça comme ça. Maintenant comme c'est de sujet ça m'a pas parler. Article 23 en dans article 8 là, il proposait et si on monde circuler sans vignette, on paye 2000 gouttes. Si on circuler sans plaque d'immatriculation, ça on paye 12000 gouttes. Et si vous circulez avec un permis qui expire depuis plus que un mois, la paye 2000 goud. Si vous pas respectez le règlement d'engagement véhicule là sur voie publique, par exemple, si vous circulez avec une police assurance qui expire depuis plus de 72 heures, vous paye 2000 goud. Dans ça, yo, par exemple, ou d'accord, c'est des bagages quelque part qui a aidé freiner des autres qui ont fait dans la rue. Et un monde, par exemple, qui décide à circuler sans plaque d'immatriculation, quel que soit le montant, notamment dès que vous faites un gapé, je ne pas qu'un monde capable de dénoncer ça dans la mesure où c'est un bagage qui visait fait contribuable là, mettez en règle justement dans ce sens-là. Parce que là, bon, pour moi, l'on a vu frapper machine, il n'y a pas de plaque. Quand on va le bout de plainte pour qui est-ce? Machine n'a pas en règle, il file. Qui est-ce que je vais dire que tu frappes? Donc, il faut que ça ait une grosse sanction contre lui. Oui. Alors, laisse-moi regarder l'article ça, Valérie. Pour moi-même, il n'y a pas vraiment gagné des points qui constituent des problèmes sociaux là-dedans. Parce que, j'aime là, il est beaucoup plus à renforcer l'ordre dans le niveau. Et véhicules, circulation véhicules. Mais de pour mettre l'ordre, mais justement, comme on ne parle pas, c'est rentrer le bras dans la caisse là. Oui, mais soit considéré, Valérie, en prenant circuler sans plaque d'immatriculation, c'est pour une infraction qu'on rencontre facile. Sauf, nous, on a circulé sans plaque, c'est policier, c'est monde qui chef dans le pays qui toujours dit que c'est papa ou pas capable de contravention. Est-ce qu'on a côté de l'île là? Oui. Ok? Peut-être vignette là, parce que ça qui arrive, en plus, le monde peut être négligent, si on ne pas renouveler vignette, ça, oui, ou quand je non, à un certain moment, l'augmentation de recettes au niveau de la circulation. Permis expiré, tout ça qui arrive, que oublier tous les permis expirés, mais c'est bon bagaille qui, a dit que son volonté manifeste pour le monde à circuler à un permis qui expiré. Par contre, il y a de l'autre et infraction et qui était car alors de l'autre contravention comme on dit qu'a fait qui était comme t'as dit qui découle d'une volonté pour eux et faire régner l'autre. Par exemple, un monde qui a et obstrué circulation, ça c'est lié au droit de préférence renforcé parce que y a un problème qui qu'on gagne dans circulation en Haïti, c'est lorsque et chauffeur tape le garé n'importe qui gens. Dans la route, là, des fois, on ne parle même vraiment qu'on blocus, c'est là où il va dire, ça qui a pas blocus ça. C'est là regarder où est son chauffeur qui mal garé. Mm-hmm. Ou bien, au monde qui a conduit avec une défense technique dans le véhicule, là. Ça a aussi été renforcé le tout. Ça va le dire, et on est capable besoin de régner l'autre. Bref, mais bon, la facette, tout Valérie, il y a augmenté contre l'avancement,
faut que mettez accent sous lit. Moi même son genre l'homme victime de en contravention côté que policier là dans côté me fait à tout pas gain panneau qui dit c'est sens unique. Policier a dit que nous devons connaître zone là son rue qui sens unique lié. Oh c'est pour zone que me fait souvent pas connaître vraiment si rue son rue qui sens unique. C'est pour nous des fois des deux côtés, il est vrai que faut ramener chauffeur à l'ordre. En même temps tout faut que vous fait policier et régner l'ordre parce que j'ai une victime de circulation ça et de contravention ça mal dans service d'oléance la police valéo m'te fait vidéo au policier qui dit carrément moi éclairer m'ka fait vidéo et parce que éclairer m'ka fait vidéo heureusement comme si on pas considéré l'ordre fait d'oléance et que connaître qu'un policier qui a bon contravention qui pas bon à l'étranger niveau contravention excessivement. Alors, yo élevé tout, mais gon justice sociale qui fait côté que si policier a bon contravention qui mal tout, ou gen doit porter plainte qui pas vraiment coûter ou et normalement sou pas porter plainte là parce que connaît c'est justice qu'on a réclamé, mais en Haïti ou pas besoin de ça. Donc ben, c'est toute facette ça que nous devons considérer, mais pour moi même article 8 là, il pas vraiment causé des problèmes, il pas vraiment causé des problèmes sociaux par le fait que majorité chauffeurs ont circulé sans plaque et majorité tout pas circulé sans billet d'ailleurs depuis mon gain assurance il toujours checker garder devant vite là pour voir qui date la expiré pas oubli ça qu'arrivé mais c'est pas un paramètre vraiment qui pral bail une augmentation et intense de recette. Ouais pas pour moi même c'est ça me constater dans budget là il est vrai que antique ça au bon mais gain l'autre. Donc, vous voulez dire que par exemple, d'accord, vous voulez dire que et on dit type de contravention ça yo, yo pral beaucoup plus forcer moun yo à régulariser tête yo, à le conformer yo beaucoup plus, c'est ça. À le conformer yo, et surtout 12,000 gouttes là, il concerne les policiers qui aiment circuler sans plaque et l'autre monde qui autorité tout. Mais là encore, est-ce qu'il y a des agents de circulation qui ont assez de courage pour bailler moun sa yo et contrairement mais ça, à mais ça, la... mais alors que ça te qu'on fait oui longtemps et ça te qu'on fait longtemps côté que et de nèg qui dans circulation yo bail de moun qui chef contravention justement là pas en règle oui. Circulation ça te qu'on fait longtemps. Ah mais c'est ça pratique ça yo, c'est eux même pour encourager qui capable permettre que société a puis bien fonctionner. Maintenant non peut-être que dans un prochain budget ou bien non modification de loi décret sur circulation hein, était capable d'augmenter de préférence si on voulait ramener l'ordre au niveau de circulation qui fait dans route c'est renforcer infraction côté que chauffeur lui-même lui nuit on l'autre chauffeur qui derrière par exemple mon li garer machine n'importe qui jeune route là des frontières arrêt momentané n'importe qui gens donc c'est ça qui kan causer plus problème plus blocus au niveau de route yo et c'est avim sous article ça. Maintenant on regarde l'autre côté ou pensez que grosso modo nous te cal prendre l'argent et par rapport à ça ou même prévoit dans loi de finances là est-ce que sous question passeport là par exemple et son bagage qui visait rentrer cob ou bien son bagage qui visait fait que l'État pas fait déficit dans payer fait passeport. Bien entendu, passeport fait partie de redevance qui c'est en forme de prélèvement que l'État a toujours fait pour un service que le bail. Et c'est sûr que service ça n'est pas supposé déficitaire pour l'État. Mais problème qui vient bien là c'est que ou pas vraiment connaît coût de fabrication passeport là vraiment vu que pas fait gouvernement confiance parce que tantôt tande yon di li coûte $70 tantôt dans l'autre dit li coûte $80 mais moi même pas quoi et que passeport là li coûte $80 moi même plus ouais de préférence ça c'est avis moi que yo vle ramener à un niveau international pour rapprocher plus près des autres pays parce que en France on croit que passeport là il coûtait €86 pour faire un passeport
Mais le problème qui gagne, c'est que lorsqu'on fixe les prix et tout, faut qu'on garde le niveau de et pouvoir d'achat population. Hein. Est-ce que en France qui fixe la 86 euros, hein, est-ce qu'effectivement, il n'y a pas fond marge sous lit? Ouais, c'est toute donnée ça pour nous considérer. Est-ce que il n'y a pas fond marge sous fabrication passeport lui-même, vu que et situation économique pays ou pas oui, mais gain deux éléments pour nous considérer dans cas ça. Premièrement la fête passeport qui fait en France la fête dans zone euro assez premier et en termes de proximité. Deuxièmement le fait que passeport par nous en fait par exemple en France ou bien en Allemagne les gain un coût et pour arriver et ici qui gain doit faire que prix de revient passeport là doit picher que ça arrive au oui, niveau bien, de bien, la France. Bien entendu voilà. C'est ça mais c'est pour nous dire que et mais le problème qui vient gagner valait c'est que les on fait une augmentation de prix ou pas qu'à faire de manière brusque ou pas qu'à sortir de 1600 et pour aller passer la 6000 ou dès qu'à faire on étude pour dire dans tout bas là c'est entré dans communication hein. Et vous avez dit que la population, voilà la réalité. Nous avons fait un passeport qui coûte nous tant. C'est sûr que nous n'avons pas augmenté rapidement et à prix que nous voulons atteindre. Mais dans l'intervalle de un an ou bien et un an encore, ou bien dans l'ensemble sur deux ans, nous avons augmenté la taxe année ça de temps à temps pour nous ramener à prix normal là, à une période donnée. Mais l'offre augmentation rapide. Sur un prix, c'est ça qui vient créer tension mais sociale. C'est que vient montrer que. Li relatif. On vient montrer que on fait comme sous-population. Et dialogue, li relatif. Li relatif, augmentation, ma bon exemple simple. Dans la contravention que nous avons gagné longtemps, vous avez des contraventions que vous avez 15 gouttes, 20 gouttes. Donc, ou d'accord avec même, ou pas obligé de monter 50 gouttes. C'est normal, li vient passer directement à 1000 gouttes. Oui, parce oui, que il y a des items, un bon exemple, il y a des items comme Simdado ou a payé goudé demi et d'abord pour payer fait un blanc il coûtait plus que goudé demi. C'est ou d'accord, c'est ridicule. Non, c'était bon paquet et mais même au niveau de système judiciaire là tout va aller. Gain de amende jusqu'à présent que des mon a payé ou bien des cautions, tu es capable et renforcer ça tout. Là c'est en l'autre côté que tu es allé. Que joindre l'autre source de revenus, côté que le système judiciaire à tout qui a plein, qui n'a pas alloué des fonds et raisonnable pour fonctionner. Là encore, sortir là tout, ça va permettre que l'État tout va modifier des cautions, des amendes que nous avons payées pour faire payer beaucoup plus. Là, ce n'est pas là le problème, vu que son sanction que lié. C'est plus facile pour augmenter un prix de sanction que augmenter un prix de service. Parce que là, on connaît ces sanctionnés à sanctionnels, ils reconnaissent son tort, son crime que ils commettent. Des fois, ils peuvent accepter volontairement peine que la subir vu que ils connaissent ça le fait à mal, même si ce n'est pas général. Pour vous montrer l'attitude qu'on a adoptée en termes de sanction ou pas qu'on a adoptée en termes de service, parce que les gens connaissent au départ. Service en ligne droit à l'île. Est-ce qu'on comprend Valérie? C'est-à-dire que la politique qui mène pour faire augmentation de prix en service, ou pas besoin de même politique ça sur une politique d'augmentation de sanctions. Parce que mesure qu'on a cité vieux là pour contraindre mon nom pour ne pas faire, pour décourager beaucoup plus à faire, alors que service en lui-même, c'est son politique pour montrer mon nom qu'on travaille pour lui, qu'on voulait l'avancer. Donc, c'est pas sous le même angle que de lorsqu'on fait et politique de prix ça. Ok. Maintenant, sous passeport, explication que vous avez, peut-être pour essayer de justifier, c'est 10 ans, et bien que vous n'avez pas mis combien de pages vous mettez en plus, mais on est sous une idée. Non, alors nous avons une idée sur combien de pages, mais quand même. Et il n'est pas vraiment justifié une augmentation de 1600 à 6000 sur un an. Mais il n'est pas un problème pour t'aller amener prix à prix normal, c'est-à-dire pour t'aller retirer subvention. Parce que si passeport à côté de l'État, effectivement, j'ai un deal là, à $70 et on paye. Je dis 75, je dis 75, je dis 80, je dis 85. Je dis 75, je dis 80.
On va gagner effectivement, même on paye qui a un prix qui pas même et $30. Donc, c'est sûr que l'État subventionne. Moi, je dis entre parenthèses, entre guillemets, parce que ne pas vraiment qu'on est pris. Hein. Donc, si on a voulu ramener là la normale, c'est normal, vous voulez, et c'est normal que vous faites ça. Mais, faire deux coups, surtout au non-contexte, côté que classe basse là a fait passeport pour liquider le pays. C'est ça qui vient que plus tension, Valérie. C'est que le monde dans lui-même, il connaît que le pays n'a pas qu'à vivre la donne. Seul document pour gagner, pour chercher la vie mignon de l'autre côté, il a augmenté le prix à d'un coup. C'est ça qui vient créer une tension sociale, ça, et à partir de budget. Qui vient renforcer par une faille, je dis une faille, que le gouvernement ça fait dans le budget. Article 17. Qui bail problème ça dans budget à Valérie prend décret de budget 2015 là dans article 16 m'pas pour qui raison yo vinn reporter dans budget ça est-ce que vous comprenez donc si il sorti dans budget 2016 qui déjà en application et remettre dans budget ça encore dans article 17 c'est sûr que moi-même m'a demandé étant donné que le code que j'ai appliqué ça sont considérations que m'a fait qui sont considérations subjectives et est-ce que c'est parce que ouais que pour qu'on applique il y a été voulu essayer de balancer de légitimité à travers le parlement pour faire parlement et voter le cap tester population hein? Et ou bien est-ce que c'est un temps que tu voulais réparer par le fait que c'est équipe ça qui t'a fait budget 2015 là ils ont lancé le conseil juste pour te retirer le budget ça et ça va me dire son considération subjective mais pour moi-même le fait est certain c'est que on faille par rapport à l'objectif sur eux-mêmes, même dit son frère, on fait pour eux, mais ils viennent un avantage pour la population, vu que l'article ça est modifié parce qu'ils étaient constitués en accord à l'article 4.5 dans le décret et impôt sur le revenu qui dit que l'on monde qui paye domicile fiscal dans le pays n'a pas doué payer impôt, de ne pas exercer une activité génératrice de revenus dans le pays, il pas de payer impôt si c'est à l'extérieur que toute activité le fait. C'est dans le pays côté l'IAL doit payer impôt. Donc, il y a un budget ça, bah, il y a la possibilité pour retirer le paragraphe ça dans l'article qui vient ramener à la normale. Donc, l'autre passeport là qui est augmenté, et vous avez une greffe sur l'article 17 ça, qui dit pour mon passeport, il faut une déclaration d'impôt, et dans le même article, il y a un impôt minimum de 10 000 gouttes. Donc, mon avis, c'est comme vous venez de faire sur lui, c'est ça qui vient créer. Qui vient intensifier mouvement okay. Bam pour ton précision ouais, parce que mon mauvais raisonnement pensais qu'a fait sur question passeport là ça me les mauvais raisonnement c'est que me donne des monde qui expliquer que même au niveau de l'État me donne des monde qui expliquer ça tout yo dit que par exemple un monde qui a fait passeport c'est parce qu'on prend le parti et si on prend le parti ou gen titio tio dans monde bah comme ça. Mais ça pour nous comprendre, c'est que c'est pas ça que lié forcément, parce que les gens qui partent, ce n'est pas des touristes véritablement. Ce n'est pas des gens comme Simdado qui juste levé et dit mon cher, bon, je vais faire vacances là, je vais acheter un ticket pour $700, je vais gagner un chambre hôtel pour une semaine, je vais gagner un coboche, etc. C'est pas les gens. Là, on a parlé de une grande partie de la population qui décide, il y a quitté le pays, attention. Hein. C'est quitter à quitter pays a et yo prêt à tout pour yo quitter pays a yo pour yo faire passeport très certainement yo vendre ça au posséder et moun sa yo c'est moun qui pas vraiment gon niveau de revenu qui avancé et des fois dépense que fait donc et me songe ou t'a expliqué ça dans Chili à tout prix côté que gon jeune qui pas contre ça pour le faire parce que te vendre tout ça le gain pour aller le bois il vient dans situation difficile. Et m'a regardé non vidéo que t'es voyé non photo t'es partagé sur réseaux sociaux mais on jeune ni Valérie on jeune fille qui a 19 ans yo jeune ni mouri dans chambre ni pas connait qui ça tué parce que David faut contre lui c'est pour montrer que et gagner plusieurs facettes que mon de considérer dans aspect ça parce que mon dans déjà prêt à tout pour les partis et vivin ouais qu'il y a gouvernement vient constituer un entrave pour les partis. Donc, vous connaissez, et Aïssel a besoin de faire des bagages, il oublie tout ça qui est derrière, il oublie toutes les conséquences d'avoir le gain, et puis il rentre dans la manifestation, et ça qui compte des fois fait manifestation au vin violent, parce que Mounio, il agit parfois avec une colère. Donc, c'est tout ça qui compte créer
bouleverse ça yo au niveau de manifestations qui qu'on gagne des mouvements sociaux qui qu'on gagne lorsque y a gagne et des manifestations on nous garde impôt sur le revenu on font retourner son impôt sur le revenu hein. Par exemple article 12 ans il précisait que sous impôt sur le revenu hein, et son base forfaitaire par exemple monde qui a assujetti à lui et commerçant industriel entreprise généralement quelconque chiffre d'affaires ou bien actif total inférieur à 2 500 000 gouttes OK et seuil que kembe pour imposition sur question forfait il révisé et il doublé il passé de 1 250 gouttes à 2 500 gouttes OK et non bon bah 1 250 000 à 2.5 millions voilà ouais bon bon on dit précision là c'est une nan faille que moi ouais dans piquer ça parce que on connaît et gende ouais c'est monde qui habitué nan domaine là qui a kawel article ça il modifié depuis 2015 ouais il était sorti seul a été sorti de 1 250 000 gouttes dans décret 2005 là il était déjà passé à 2 500 000 c'est-à-dire moi même et de l'état financier m'a préparé pour des clients déjà à utiliser seuil ça. Okay. Donc, pas pour qui raison ils remettent dans le budget ça encore. C'est pour moi comme si le budget ça, pour moi-même, il fait avec un pile légèreté. Un pile légèreté. Et moi-même, est-ce que y a pas d'accord à reprendre, parce que c'est reprendre, reprendre l'article 33 décret 29 septembre 2005 là? Non, alors, il n'y a pas besoin de reprendre parce que. Et le fait que dans premier article dans commencement c'est que dans article dit toute taxe et bon moi comment il définit moi c'est dans article 2 ou 3 dans article 3 il dit là peut doit être taxe à percevoir 30 septembre 2017 au profit de l'État sont prorogés pour l'exercice 2017-2018 et leurs produits sont recouvrés sont recouvrés d'après les lois et décrets en la matière donc ça dit que article ça c'est ça qui fait que l'État toujours a utilisé mauvaise pratique ça pour modifier des lois dans le budget. Il a vrai que remettez, ok, et en droit, il a toujours dit la redondance est jamais de trop. Donc, il n'y a pas un problème s'il est reporté dans le budget ça. Mais, pour me dire que il est déjà là depuis le budget 2015. Maintenant, comment parler de conséquences? Il est vrai que Livin Bayon avantage à petite entreprise, yo. Parce que c'est impôt forfaitaire là, il dit au lieu où le consommateur paye sous impôt sur revenu, alors impôt sous bénéfice, donc au lieu pas charger sous bénéfice là, il y a de préférence bon un abattement de 500 000 gouttes sous chiffre d'affaires ou qu'on paye 1%. Mais il dit minimum là, il pas doué 10 000 gouttes. Comme dit Valérie, des fois impôt ça li avantageux pour PME qui atteint un certain niveau on dit qui dépasse 2 millions de gouttes parce que l'offre prend et abattement et 500 000 on dit on PME qui réalise 2 millions de gouttes par année ou retirer et 500 000 ouais ça vient faire gagner en base imposition de 1 million 500 000 de quoi payer 1% la donne. Donc, c'est dire que normalement, le padoué 10 000 gouttes et plus petit que 10 000 gouttes, donc on doit payer 15 000. Mais un monde qui fait moins que 1 million, il a payé 10 000 gouttes quand même. Donc, c'est des fois, il vient par avantage avec PME qui dépasse le seuil de 1 500 000 là. Mais on tient entreprise qui moins que 1 500 000 a payé 10 000 gouttes. Donc, il va avoir un avantage à un certain niveau et on l'a tout. Tout à fait sous base réelle là, parce que des fois, on a une entreprise ça, qui est sous base bénéfice réel. Là, on parle de manière qui est très technique et on va essayer pour un langage qui est plus simple possible pour tout le monde comprendre. Il y a deux types de positions sur les entreprises. Il y a ça sous base forfaitaire là et il y a sous bénéfice réel. Base forfaitaire là, c'est seul ça que vous mettez là. C'est-à-dire entreprise qui a un chiffre d'affaires qui est moins que. Et 2 500 000. C'est-à-dire qu'on est arrivé à gagner 1% la payer sous base d'imposition. Et il n'est pas doué plus petit que 10 000 gouttes. Maintenant, base réelle là, elle est dépassée. Maintenant, elle est dépassée, elle paye sous bénéfice. C'est-à-dire que si charge qu'on est là, dépasse bénéfice, il n'est pas payé impôt. Parce que son perte que l'on gagne, il n'est pas payé impôt. Par contre, si on doit plus, même si charge dépasse bénéfice, la bobine se paye parce que l'on a impôt forfaitaire là.
Est-ce que la nuance va aller? Donc, dans un certain sens, les faciliter certaines entreprises, mais des fois, des petites entreprises qui pipitillent, donc on subit par le fait que vous obligez de payer quand même impôt, même si chaque jour, chaque exploitation dépasse recette. Mais il y a l'autre raison. Il y a l'autre raison qui compte fait que il y a des entreprises qui, malheureusement, prennent le pays en quantité d'argent. Ce n'est pas forcément impôt, non, que oui, mais c'est pénalité. Par exemple, vous avez une charge d'exploitation pour entreprise là qui est très élevé qui vient faire qu'on fait perte pour exercice là mais là regardez ça au bas ou comme pénalité on dit par exemple il cahier comptable OK on dit par exemple ou gagner des déclarations par rapport à délai ou par exemple chaque pénalité ça c'est des pénalités moins quoi qui avoisiner les 300 000 goudes qui vient faire que ça conduit que l'entreprise en réalité l'état supposé déclarer perte et que le pas de payer impôt mais voilà que pénalité yo fait que son monde comme Simdadou le regarde ça le bral payer ou gain impression son monde qui font aucun bénéfice pendant l'exercice fiscal. OK. Maintenant il a mentionné question pénalité à Valine. Moi même pas voulu discuter sur pénalité parce que non pas doué encourager monde pour pas faire et bah yo selon et les normes, c'est-à-dire que les pénalités yo là pour décourager moun pour capable aller au niveau normal. Mais le problème qui qu'on gagne non sorti vraiment c'est que des fois gain de agents et fiscaux des vérificateurs fiscaux qui qu'on fait entreprise yo payer des pénalités que pas doit payer forcément. C'est là qui compte problème parce que moi-même comme expert comptable j'ai des consultations avec des entreprises qui disent même bagarre fait normal alors que vérificateur même ont chargé très haut. C'est ça fait étant supposé gagner une franche collaboration entre comptable agréé et agent fiscal pour monter à agent DGIO pour parce que au final c'est entreprise non qui au centre c'est lui qui est victime. Donc si et déjà il pas là pour lui encourager l'entreprise, on a toujours gagné conséquence soit bien côté pénalité en poids trop haut et ça fait gain de l'entreprise même quand obligé à le prêter que répondre à agent d'obligation ça mais bien entendu faut toujours encourager l'entreprise, payer TCA à temps, payer toute charge et cotisation sociale sous prend et leur prend TMS, leur prend toute taxe au prélevé sur employé pour payer à temps pour payer et puis faire déclaration définitive pour déposer dans financer à temps puis suivre délai parce que lorsque vous suivez tout délai ça va ou même gars et force pour les agents fiscaux ça au venir parce que même objectif par eux toujours pour faire payer plus. Ouais c'est ça que l'entreprise quand plus victime et ça fait qu'on y a rien tout archive ça ça fait toujours bon. Les entreprises ont géré la question fiscalité, puis au bon classe qui est bien élaboré pour ça, puis on suit tout et délai à la lettre parce que c'est ça que parfois et discuter et normalement avec agents fiscaux. Ouais, et pour ne pas les sous impôts sous bénéfices, Valérie, c'est que entreprises surtout, des fois, et ils ont tout, t'as parlé de charges qu'on dépasse. Et c'est tout. Des fois que qu'on fait des mauvaises planifications tout qui qu'on fait que des dépenses viennent excessives. Donc ça fait normalement il est toujours bon pour suivre et résultat pour toujours gagner un comptable qui a permis tout ouais comment société a évolué entreprise a évolué qui a fort et une meilleure planification financière pour éviter que ou vienne nos situations côté copral payer et des pénalités côté que impôt ou pas l'obligé faire qui ou pas gon charge fiscale qui très élevé par rapport à ça qu'on a supporté. Donc c'est pour montrer que nous avons parlé tout à l'heure de bénéfices réels tout m'a expliqué impôt forfaitaire là bénéfice réel là c'est lorsque il est supérieur à 2 500 000 goudes qu'on a entreprise vient tomber sous régime bénéfice réel là payer impôt sur et son bénéfice. Donc, aspect ça, on doit dire que dans le budget ça, il était toujours dit que c'est dans le décret 2005 qu'on a payé pour forfaitaire là.
Mais impôt forfaitaire, là, faut faire précision, il n'est pas seulement concerné les personnes physiques, il était concerné les entreprises. Mm-hmm. Donc, ou pas qu'il y ait un impôt forfaitaire qui fixé au départ sur les personnes physiques. Parce que forfait à qui s'allier, c'est lorsque c'est une méthode de recouvrement que l'État gagne. C'est donc un monde qui pas paye impôt à temps et qui pas vient faire déclaration, l'État gagne droit pour lui mettre un forfait sur les taxes d'office. Ouais, parce que ou pas répondre à obligation fiscale ou pas permettre que fiscal suive normalement. Donc DGI gagne droit pour lui mettre un forfait sur pour contraindre nous venir payer impôt. Et forfait ça tout et faut nous dire que il est capable de négocier tout avec responsable si on charge trop haut ou gain possibilité pour gain recours pour capable négocier et ça vient faire que réduire. Mais la priorité doit être accordée à la régularité. C'est-à-dire que yon moun ki gon entreprise, faut konnen que gen des délais pour respecter. En attendant que gon réforme fiscale qui fait pour appliquer, peut-être, ma konnen si attendez le fond dumping fiscal pour les nouvelles entreprises, ça a facilité les nouvelles entreprises pour capable de gagner une possibilité pour récupérer investissement. Yon, parce que valeur même qui bon en marketing, ou konnen les premières années des entreprises, yon toujours difficile parce que l'entreprise ça yon. Yo fait c'est dans période que yo fait pile investissement donc sous bail avantage fiscaux à nouvelle entreprise yo pendant yon certaine période ça permet que eux même yo récupérer et plus rapidement investissement que ont fait et ça va jouer tout sur le prix des produits vu que lui même ni connaît pas besoin récupérer facilement rapidement investissement que fait à la bon certain temps pour un souffle ça va jouer sur prix et ça va le baisser et niveau d'inflation qui gagne. Donc tout aspect ça, ça fait politique fiscale, c'est un instrument que responsable économie et finance pays a dû considérer à cœur. Parce que depuis, ou pas gagne une bonne politique fiscale, ou pas qu'à gagner une politique de croissance qui est adéquate. Parce que investisseur lui-même, il a vini, il a regardé toute facette qui gagne au niveau de loi fiscale. Mm-hmm. Même si on a un code civil là, qui régit fonctionnement citoyen entre eux, code pénal là qui montre que l'État, mais qui j'en pour sanctionner, de même que code fiscal qui regroupe un ensemble de lois fiscales qui appliquent dans le pays, l'IGE relation entre investisseurs avec l'État. Donc, si pas une adaptation qui fait, une utilisation adéquate de lois fiscales, on va tomber dans un cycle infernal, dans la dégradation en spirale, comme le phénomène placatoxa, ou pas jamais gagner un progrès. Très bien. Maintenant, Babi, nous insister et m'a rappelé et John Erledia Legault, ou son expert comptable, ou son spécialiste en gestion financière, ou écrit en pile sur question ça dans le quotidien Le Nouvelliste, et nous habitués à recevoir déjà justement pour nous gagner certains éclairages sur le dossier. Alors Valérie, comme dit tout que émission là plus tout c'est émission après midi en vision 2000 à l'écoute qu'on pas possibilité pour parler encore je pas possibilité pour vous tirer appel là pour m'appelle au là ben monde possibilité pour relayer parce que femme jour en passant que ou c'est un monde qui fait me faire plus recherche me dit en passant parce que chaque fois me quand parler intervenir longtemps dans vision 2000 à l'écoute nous on a fait des recherches pour faire pour me bailler beaucoup plus d'éclairage. Donc on paquette l'autre jeune qu'on y a là qui peut être carrément et partager connaissances parce que il y a une phrase qui dit il y a beaucoup plus de responsabilité alors la connaissance implique beaucoup plus de devoirs que de droits. Il y a beaucoup plus de responsabilités lorsqu'on connaît. Et ça fait ça que toujours faire mais sauf que à l'écoute, sauf que moi, je me rends compte qu'il faut m'aider à réduire sur la campagne d'intoxication. Et là où vous l'avez par exemple, et c'est par son dossier spécifique, où il y a deux nègres qui ont des capacités, et c'est des magiciens qui ont fait une ligne. Et puis, Negavini, c'est opinion. Attends, mais c'est opinion que Negavini a. Qui me préfère par exemple prend ou même que me tendez plusieurs fois que moi qui écris un bagage et puis me dit ah bon fait monsieur développer
aspect technique là pour moi là. Moi ça m'a prendre société à beaucoup plus service, auditoire là plus satisfait qu'on nèg vini, il décide de la parler de bail par contre on est du tout, là vous voyez monter ou gagne des groupes WhatsApp qui gagne des intellectuels sur. C'est problème pas ça, même si nèg ta gagne pile formation technique mais on pas capable oser bal intervenir parce que ça là bien c'est intoxication le bralier puisque lui même pour contre lui l'intoxiquer tête lui puisque lui même lui gon bail politique l'a défendre au lieu que le tenir compte de sa réalité parce que quelque part chaque monde a une position politique. Mais quand il y a ça n'a fait matin là par exemple, ou même pas même besoin qu'on ait sa opinion politique. M'a regardé un bagage technique, c'est lui n'a regardé techniquement. Ça on pense qu'il méritait ajuster à Oudil, soit on pense qu'il méritait dénoncer à Oudil. Me penser dans ce sens ça, c'est pour ça me fait justement et encourager jeune c'est dans écrit, dans prendre position, voyez des textes comme c'est pour moi des positions qu'on prend et puis là ça me faut intervenir. Donc c'est pour ça me changer stratégie parce que moi on tient nuit avec 5 nèg Gabrielé qui dit même baio bien qui gon bagage politique à défendre, qui chuter à gauche, qui chuter à droite que public là pas comprendre justement sur ça. OK. Ben moi tourner par exemple dans budget est-ce qu'on rend nous compte que sous question état financier entreprise individuelle avec société yo ou qu'on est passé seuil là de 15 millions de gouttes à 25 millions de gouttes pour exigence dépôt état financier vérifié? Exactement. Ça a été modifié tout en 2015. Et c'est peut-être alors est-ce que je vais opiner sur ça? Bon, je dis de manière professionnelle. C'est pas parce que je suis comptable agréé, parce que là, Livin n'est pas bon pour moi comme comptable agréé, vu que chaque fois, l'État 15 millions, c'est marché qui vient réduire pour moi, parce que je viens exiger l'entreprise là, qui vient faire, pour faire l'État financier avec un rapport d'audit, de augmenter cela. Donc, il ne vient pas bon pour moi, là, je vais parler de manière et honnête. Il ne vient pas bon pour comptable agréé, vu que et marché a venu dans ce sens, vu que cela a augmenté. Mais il vient bon pour entreprise, parce que il y a un rapport d'audit, il est toujours, alors il n'est pas fait à un prix qui est très bas tout. Et c'est peut-être dans l'optique ça qui fait cela passer de 15 millions à 25 millions. C'est pour peut-être faciliter l'entreprise pour ne pas besoin de faire des dépenses sur des audits que tu dois faire. Mais en général, toute entreprise qui respectait peut-être normalement, qui est d'ailleurs des entreprises qui auditaient annuellement. C'est-à-dire que même article ça n'a pas vraiment bah, des avantages, mais il y a des entreprises, particulièrement entreprises et individuel, côté que propriétaire là lui-même, c'est lui qui a géré, côté que pas vraiment bon obligation d'audit, c'est l'entreprise ça qui vient faciliter par article ça. Mais il y a des entreprises, normalement, régulièrement, toujours auditées chaque année, donc il n'est pas vraiment concerné. Vous comprenez, il n'est pas vraiment concerné par avantage article ça, parce que avant, on était dit, dès qu'on a un chiffre d'affaires qui 15 millions de gouttes, lors de déposer l'état financier en fait d'exercice, ou supposé accompagner le payon rapport d'audit. De 2 500 000 gouttes à 25 millions, ou supposé un comptable agréé qui signe pour l'ordre déposer. Ouais. Mais lorsque vous dépassez 25 millions, vous supposez non seulement un comptable agréé qui signe pour, il faut l'accompagner d'un rapport d'audit. Donc, c'est peut-être pour ça que les entreprises bénéficier. Donc, il vient réduire dans la dépense. Mais c'est pour me dire, normalement, il y a des entreprises, chaque année, ou toujours auditées régulièrement, Pour qui ça qui tue cela, c'est son base trimestrielle? Allô? Pour qui ça qui tue cela, c'est son base trimestrielle ou exigelle? Bon, question qui tue cela, c'est un problème que, en général, les responsables, les consultants fiscaux ont toujours plein. Parce que à chaque fois, vous allez faire même démarche là pour gagner un quitus chaque 3 mois. Et des fois, les gens qui ont fait un quitus dans des GIA sont très exigeants. Ils ont mis en doute de sortes comme données. Qui ont des fois découlé sous des chantages. Donc, ça, quand fait investisseurs découragés. Mais non sens,
Liban entreprise ont un avantage, c'est que l'organe qui tu sens en amont, ça vient montrer que ou à jour avec EDGI, c'est que vous connaissez que là, on va gagner pénalité qui a cumulé, on va gagner amende qui a cumulé sous état financier. C'est ça l'avantage ça que Liban. Mais cycle de reproduction et de renouvellement qui tu sens, tout veut les trois. Et si au moins vous devez mettre 6 mois pour que vous n'en connaissez les gagnants deux fois par année pour lui faire un renouvellement qui tisse. Pour moi-même, il a plus approprié au lieu de faire chaque 3 mois pour pouvoir faire même démarche de demande de qui tisse. Et ça a son coût de tout pour l'État, vu que c'est gratuit. Et c'est gratuit au bas qui tisse. Donc, chaque fois que vous pouvez mettre un qui tisse, c'est un coût d'impression. Donc tout ça, tout, parce que nous avons fait là en termes d'augmentation de recettes, mais l'État en tout cas a gagné et des économies qui sont au niveau de dépenses, c'est tout que nous n'avons pas touché matin. Hein. Donc c'est une facette qui est importante lorsque vous avez élaboré un budget qui joue ou capable de gagner une réduction de dépenses en termes d'optimisation des ressources, ce que dit rationalisation des dépenses, la conduit automatiquement à une réduction parce que il y a des dépenses qu'on doit louer qui te confèrent qui pas nécessairement de continuer faire et il y a des dépenses qui utiles, il y a des dépenses qui moins utiles, il y a des dépenses qui pas utiles du tout. Donc tout ça en termes lorsque on fait une analyse dans le budget, t'as supposé Valérie, t'as supposé gagner un audit intégré qui fait sur toutes les institutions étatiques, sur toutes les entités étatiques pour qui dépense que vous avez. Nous-mêmes, nous avons une éducation financière qui a fait la Kibo, côté que la population comprenne ça que le budget. Mais bon, l'autre combat que nous devons mener Kounia là, c'est au niveau de la loi, des règlements. C'est qui ça l'État fait à cause ça que le prévoit réellement. Combat, mais si nous que l'idée est emmenée là, et côté que la population est en comprendre en majorité que moi, instrument financier que le budget, que le droit est mettre l'action sous lui, ou algon l'autre combat pour mener là encore, c'est sous la loi des règlements et c'est la Cour des comptes pour monter. C'est avec moi le faire, c'est avec moi le faire, mais et interview. Mais oui. Avant, bon, retourner sur la question 10 000 gouttes forfaitaires là, l'âme d'âme que le public là comprenne ni vrai et le goût. Pour qui ça? Parce que c'est un côté. Non, toujours dans le bien. C'est un côté, et Mounio, Mdakadi, fait un pile parler pour lui. D'autant que, qu'on est que, son catégorie qui est même pas diable, qui n'a pas de travail. L'opon étudiant, qui gagne, il vient ouvrir bourse là pour le parti. Et quelque part, il a demandé un document, il dit qu'il faut le payer. Donc, comprenez bien, c'est dans Redi pour M. Venti, quoi, pour le faire passeport. C'est dans Redi pour le jeune tout ça, là, pour le faire. Qu'on y a là, si pour y a cherche un certificat définitif pour que comme Simdado pour le payer, mais étant donné que gain des un pile vaut et monte tout la question ça, on clarifie pour mon une fois pour toutes qui moun qui a gain pour payer 10 000 gouttes forfaitaires là. Alors faut dit et selon ça et que Sénat a voté. OK, nous fait confiance à lui. Et Sénat a retiré l'article impôt forfaitaire là. Cela veut dire que normalement, yon moun li pa dwe payer encore impôt forfaitaire qui était prévu au préalable dans le budget parce que retiré par grave ça. Ça c'est un acquis et nous devons à ce que li pa est appliqué au niveau de bureau de GIO parce que li sorti dans la loi. Et ça, comme dit, c'est un avantage qui fait le fait que le gouvernement, ça, il prend l'article là, qui était l'article 16 dans le budget 2016 là, lui reporter dans le budget ça, qui c'est dans l'article 17. C'est-à-dire que l'impôt forfaitaire là, il n'est pas là encore parce que le Sénat a retiré. Maintenant, on a une analyse que y a des gens qui fait, qui correct, il dit que vu que l'aspect ça a sorti dans le budget là, donc, c'est sûr que des recettes ont été réduites. Le fait que le pas réduit, on pensait qu'il est toujours là. Mais la loi est d'application stricte, vu que le pas dans le budget, on ne peut pas de payer impôt forfaitaire. Mais, dans l'article 17, la moitié, il y a déjà nos émissions télévisées qui étaient faites pour les invités. Il y a
gen de rubrik, gen de servis ou mette la dan pou mwen menm ki pat doue la dan. Par ekzamp, yon legalizasyon de piyes. Ok? Legalizasyon de piyes, permis de sejou, timbre de livrezon de paspor. Pou mwen menm ou pat doue mette nan budget sa kom e prereki pou moun gen servis sa. Ou pa yo di ke pou moun gen akse a servis sa yo, pokou fè preuve de déclaration d'impôt. Mm-hmm. Preuve de déclaration d'impôt, hein, il est vrai que ça au fait, hein, c'est que vous voulez encourager tout le monde à faire déclaration, mais l'excès en tout nuit. Vous supposez faire pour tout le monde qui a toute activité qui est susceptible de générer une activité et qui va permettre que l'État gagne un revenu là-dedans. Mm-hmm. Par exemple, un monde qui, ou bien d'habitude, service là, et ça va soit exigible, c'est tout ça au monde peut le faire, côté que l'État gagne soupçon ou bien li gagne en idée que capable d'exercer une activité dans le pays. Par exemple, il y a un monde qui a fait plaque, pour faire plaque, c'est normal, il faut qu'on revenu. Parce que le packaging ou des machines, ou pas des cob au moins pour mettre des gaz là-dedans, et même si c'est cadeau, il faut lire, donc son revenu que lié pour vous, donc au moins il faut gagner un cob pour mettre des gaz là-dedans, pour faire entretien. On monde qui peut aller et faire passation de marché. Donc, on professionnel, bon, ça c'est évident. Par exemple, moi-même, une exigence que je toujours fais pour me patente, pour le cabinet, faut que je fasse déclaration de dépôt. Bon, professionnel, lui-même, était déjà et déclaration de dépôt, donc patente, et plaque d'immatriculation, on monde qui a brûlé caille. Donc, comme si, alors, propriétaire là, propriétaire là, au monde qui tout a loué caille tout parce que sous ca loué caille donc son revenu qu'on gagne qui ca permet tout loué caille là donc n'a pas de problème avec service ça mais service qui pas donné article ça c'est légalisation de pièces qui concerne un petit monde qui soit fait fini l'école même s'il gagne et 18 ans côté que doit faire déclaration et étant donné que tu mettez et pour forfaiter là c'est là que pas problème donc vu que il sorti donc on dit tout le monde ou mettre ses déclarations normalement, même si vous faites déclaration néant, ou pas gagner 10 000 gouttes que vous avez payé, encore parce que à part grâce à l'issorti dans le budget. Si vous exigez au lit, ça ou des possibilités, soit pour bon, est-ce que vous avez recours là pour on sait mon âge recours. En général, vous avez le monde qui a eu l'obligé à venir dans la presse, vous dites mais déjà, mais vous avez là, le ministère des Finances doit. Et fait injonction à le bureau de GIO pour ne pas exiger moun payer impôt minimum là, 10 000 gouttes vu que l'y sorti dans le budget. Donc, à ce ça, il a supposé qu'il y ait une campagne de communication qui fait suivi parce qu'effectivement, il y a un problème. Et c'est ça qui crée bouleverse dans l'économie, actuellement la Valérie. C'est trop légèreté qui te gagne lorsque tu as fait élaboration du budget. Ça. Donc, 10 000 gouttes là, c'est une cause. Mouvement social qui a est dans ce qui est actuellement là. Ok, donc ça veut dire que, et vous voulez dire que, et question 10 000 gouttes là, n'est pas effectif dans le budget. N'est pas effectif encore parce que vous retirez. Okay. Vous retirez, et c'est bien content le fait que vous remettez dans ça, vu que moi-même, je considère que le pas de bon, parce que peut-être qu'à premièrement, c'est le monde qui n'a diaspora, qui n'a pas exercé son activité, qui n'a pas de revenus, d'avoir fait le pays en impôt. Il est contre à principe de double position. Hein. Et en plus, il était attribué à tout le monde, parce que le ministre financier a dit que ce parti, ça concernait tout le monde, c'est là devine plus problème. Donc, précision, ça, c'est important. Et un monde qui voit que va le faire payer 10 000 gouttes, donc il supposé revendiquer droit, parce que le pas doit payer. Un monde qui pas fait 60 000 gouttes par année, ou pas supposé payer impôt sur le revenu parce qu'on a un abattement de 60 000 gouttes, quel que soit le niveau de revenu que ou atteint dans le pays. OK. Alors, et nous allons fermer avec les questions de pension très rapidement, mais avant, qui me dit que l'article 24 là, il présente 43 lignes qui ont révisé pour ça qui a rapport avec droit de douane. Il y a 27 qui ont révisé à la hausse et puis il y a 16 qui ont révisé à la baisse. Et
pour des pensions, et alors au fait, il y a un poche tout faire ces questions, et justement, et loi de règlement qui t'a supposé accompagner le budget, et c'est là, oui, et mon cap dit, je toujours pêcher. C'est ça. Et au niveau de quoi, et dans la société civile, là, c'est là qu'on y a la mettre beaucoup plus accent. C'est loi de règlement, et c'est coup des comptes pour mettre plus pression sur lui pour lui. Soumettre, non seulement pour soumettre document ça, et pour rendre public tout. Parce que l'État, c'est mon lieu qui travaille dans l'État, c'est pour nous, même population qui travaille. Parce que c'est taxe nous qui payons, et que nous rendons des comptes. Et c'est coup des comptes qui doit, comme qui sont gendarmes dans ce sens, qui doit faire responsable politique, respecter ça qui te prévoit dans le budget. Qui doit faire et donner public utiliser et efficacement et nous-mêmes société a pour nous garantie parce que c'est un problème qui gagne dans société a c'est que population remarque que le trop gaspillage qui a fait au niveau de deniers publics ne pas gain confiance lorsque a payé taxe et dès que moun n'a pas dans situation côté que li connaît que taxe que l'affaire c'est des services que pas gagne en retour on toujours gain déjà et tout le monde toujours pas les payer impôts sont naturellement toujours pas aimer payer impôts et on vient nous voir que quand vous payez déjà ou pas un service que doit et atteindre pour lui et ou voit que il y a des gaspillages qui a fait au niveau de ressources donc c'est aspect ça pour nous renforcer et on regarde dans le budget à Valérie bon moi tu analyses rapidement sous et dépenses là. Et le bon moment, dans le fichier rapidement. L'on prend et recettes réelles, alors dépenses réelles. Sous cinq dernières années, on gagne les recettes qui ont augmenté de 56% sur les cinq dernières années. Ils ont augmenté de 56%. On gagne les dépenses courantes, ils ont augmenté de 86%. Sur les cinq dernières années, les traitements et salariales, okay, les traitements et salaires, ils ont augmenté de 71%. Par contre, investissement réduit de 52%. Donc, pour qui ça, dépenses de fonctionnement ont toujours grossi d'année en année et augmenté continuellement, alors que les recettes ont baissé, c'est-à-dire que, par exemple, politique, et au niveau de ministère des Finances, pour rendre efficace les dépenses qu'il a faites. Et en plus, est-ce que c'est tout le monde qui est dans l'État qui toujours a touché chaque année? Pas des professeurs qui quittent le pays, pas des monde qui travaille dans l'État qui parti. Donc, quand même, tu as supposé gagner une réduction, même si gagner un gonflement qui fait tout. Non, boîte l'État, quand vous mettez un paquet de monde, qui pas vraiment fait des activités, des fois quand même des chevauchements entre les employés, quand vous n'avez pas vraiment compte à faire, vous travaillez l'autre, monter sous l'autre. Donc, tout ça, c'est niveau loi de règlement qui va permettre que vous compreniez. Non, c'est pas le moment pour ne pas t'entrer dans la logique. Là. Ça veut dire si que pas gagne loi de règlement, le Parlement est de exiger. Exactement, mais là, il faut qu'on parle qui fort. Faut, c'est ça qui fait. Et bon, il est vrai que le gouvernement, ça a déjà une majorité. Donc, c'est sûr que tout ça que même il a proposé, c'est lui-même qui va l'appliquer parce que c'est ça. C'est le prix à payer pour la démocratie. Le monde qui a une majorité, c'est lui-même qui toujours appliquer et ça proposer, même si la majorité n'a pas toujours raison. Forcément. Ok, mais c'est ça qui est toujours bon. Pour moun yo qui a dirigé, yo paré te sur le yo tere moun, des moun, même qu'on a fait là, qui baille des avis techniques, et c'est pas moi-même seulement qui a fait, li, bon paquet l'autre moun qui fait, et faut que considérer aspect ça. Le moun a critiqué, c'est pas comme si son moun qui sont opposants automatiquement. Parce que bon discours qui vient de l'homme, on a critiqué, c'est la vie, on sont opposants. Or, il faut besoin de critiquer l'offre avancée. L'offre avec des arguments techniques. Tout. Ça, par exemple, et il n'est pas bon tout lorsqu'il a fait des interventions pour essayer de faire des mensonges pour dire ça qui n'est pas correct.
tout profiter en tant que monde qui étudie génie civil, marron sous et si ça pas problème si me soulever li le parce que ça pas un problème l'entendez a dit que et 22 kilomètres fait avec 500 000 dollars. Allez, ça pour moi-même, pas à comprendre ni. Et en plus, il faut que changer de d'appellation ou bien de nomenclature lorsqu'il a défini prix, il y a route. Parce que lorsque c'est linéairement, il y a un ensemble de paramètres pour pas considérer. Parce que dépendamment du type de route, là, il y a des coûts qui sont appropriés à lui-même. Et sur l'heure d'un kilomètre de route, coûte 1 million, ils sont standards internationaux liés, 1 million de dollars, c'est route qui, en général, c'est 7 mètres, c'est-à-dire et on, chaque voie, c'est 3 mètres 50, 3 mètres 50. De 1 kilomètre de route. Malheureusement, nous ne pouvons pas entrer dans ça et dire le go, l'heure a fini longtemps et n'a pas fait ça. Malheureusement, nous ne pouvons pas entrer là-dedans, l'heure a fini longtemps. Oui, alors, oui, c'est pour me faire une petite précision, par le fait que je connais ce scénario maintenant, c'est pour me dire que normalement, lorsque un mounio a fait intervention, faut que faire en sorte que je dis des choses qui pas décourager au monde qui voulait porter une critique. C'est-à-dire que critique au besoin pour être capable d'avancer. Parce que ça nous fait matière là, nous t'arrêtons, mais que le budget est fait normalement, tenant compte des conditions économiques, des conditions, des indicateurs macroéconomiques. Parce que lorsque depuis le budget a mal agencé, Valérie, on va tomber dans un cycle infernal. Ça me les dégradations spirales parce que vous pouvez venir inflation qui a augmenté, taux de change qui a augmenté, baisse PIB. Par contre, si on agence ce budget à bien, côté que vous permettez que des créations de richesses qui fait se donne à renverser, vous pouvez permettre que l'économie ali auto-régénère de par lui-même. Donc, tout le monde qui était sous, toute entreprise qui était sous spirio, je ne peux pas faire spire, ça a grandi. L'André le spire, c'est pour nous comprendre, parce que tout le monde utilise ça, il m'a parlé. C'est le phénomène placatoxa. C'est que, au lieu qu'on fait placatoxa à brûler, on fait en sorte que placatoxa de préférence, lui grossit, lui améliore. Donc, c'est pour ça l'économie, ils sont spirales. Merci un peu. Et faire des interventions qui permettent que l'économie avance, c'est plus ça. Faire en sorte que des pensions. Il n'y a pas trop excessif par rapport aux recettes pour éviter l'effet d'éviction et renforcer beaucoup plus les investissements. Merci, Edier Legault, et merci parce que vous avez été disponible pour nous matin. D'accord, merci. Voilà, notre invité, John Earl Edier Legault, expert comptable, spécialiste en gestion financière, qui était avec nous matin pour nous essayer de gagner des éclairages en plus techniquement sous question loi de finances. Palais.com.